Desperados, desperados, à la vie, à la mort, nous sommes desperados, 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 sur nos machines d'enfer, nous sommes desperados. Ah d'accord. Ouais. On descend à Sartène, chez Patrick Garcia, le président de la FFMC. Et on va inaugurer une plaque commémorative de Johnny Hallyday pour ses 80 ans. Donc ça va se faire dans son restaurant. Ensuite, on remonte à Porticcio. Et le samedi dimanche, on va au festival de Sarola Carcopino, où on est invité par Louis Caneggiani et on est les invités d'honneur du festival. Voilà, et on n'en est pas peu fiers. Voilà. Alors, pour l'histoire du club, si vous voulez savoir un petit peu l'histoire du club, ça a commencé en 1992 avec Johnny, c'est lui qui a choisi le nom Desperados. Et puis, bon, il était président pendant un bon moment. Et après, il a été un peu trop occupé, ça lui prenait trop de temps parce qu'il y avait de plus en plus de membres. Donc mon Joe qui est là à côté, qui était son garde du corps et chauffeur personnel 24 heures sur 24 chez lui, tous les jours. Et il a dit, bah, Joe, il va prendre la relève. Donc c'est Joe qui est devenu président. Et puis ça fait depuis 92, après en 2000, on a eu un peu une extinction parce qu'on avait un peu laissé en stand-by. Et là, maintenant, c'est reparti de plus belle. Mais à l'époque, on était jusqu'à 500 membres. Là, actuellement, on est plus de 200 membres. Et il y a plus de 300 amigos. C'est des gens qui n'ont pas de d'Arlet. On avoisine les 300 maintenant. Ah, voilà. Alors, on avoisine les 300. Donc, c'est des gens, les amigos, c'est des gens qui n'ont pas de Harley, mais qui aiment la moto et qui aiment Johnny. Voilà. Alors, pour notre histoire, nous, on a organisé deux fois Daytona, 94 et 95, pour les Desperados. On a organisé Carpentras, 94, avec Johnny, où on avait 30 000 personnes et 5 000 motos. On a refait tous les deux avec Joe en 95, donc Johnny n'est pas venu, mais ça a quand même été une réussite, on a réussi notre coup. Ensuite, on a fait deux fois les États-Unis. En 98, Miami, Los Angeles, avec nos motos. Et en 99, on a fait toute la côte ouest et le Mexique. Et entre-temps, avec tous les Desperados, on a voulu refaire un club plus grand. Donc, et puis au fur et à mesure des travaux, ça devenait magique. Et on en a fait une boîte de nuit, c'est-à-dire un bar-restaurant, salle de concert. Et c'était la plus grosse boîte de nuit de France. On recevait 2000 personnes tous les soirs. Donc c'est pour ça qu'en 2000, je commençais à être un peu fatigué aussi, alors j'ai dit à Joe, si tu veux, comme on était associés, j'ai dit, tu rachètes mes parts ou tu m'aimes, je les donne, je m'en fous, mais moi, j'arrête. Il a dit, si tu arrêtes, j'arrête. Voilà, parce qu'on est inséparables et puis c'est comme ça depuis le début. Voilà, donc on a arrêté et puis on l'a revendu, je ne vous dirai pas à qui, parce que ça ne se fait pas, mais à un chanteur. Et puis, bon, c'était la drogue, c'était le... Qui ne nous a jamais payé, là. Oui, qui ne nous a jamais payé. Alors, c'était la drogue, c'était les problèmes avec les mineurs, c'était... travail au noir, etc. Enfin, un an après le bâtiment a eu une fermeture administrative
Et comme on était dans les EMGP, les EMGP à Paris, c'est où il y a tous les studios de télévision. Donc on était en plein milieu des studios de télévision. Donc quand lui, il a eu sa fermeture administrative, les EMGP ont démoli le bâtiment, carrément. Et puis voilà, ça a été terminé, l'histoire du 287 finie. Alors qu'on a quand même reçu des chanteurs comme Joe Cocker, Phil Collins, Dick Rivers, tout ça. Enfin, Trust. Énorme, Trust et tout. Tous les plus grands chanteurs venaient chez nous et on ne les payait pas. C'est ça le but. Parce que les producteurs venaient nous voir et disaient, ben voilà, ça serait bien, puisqu'on avait le son 10 fois mieux qu'à l'Olympia et la lumière pareil. Donc ils nous disaient, ben tiens, on peut faire un showcase chez vous pour faire l'avant-première. Quoi. Alors ok, ben, pas de problème. Alors surtout, on n'avait pas le droit de faire de pub, parce que sinon, et après le lendemain, ils ne vendaient plus de billets. Hein. Donc ils venaient faire un showcase chez nous. Nous, on en profitait pour dire aux copains, venez, venez, venez. Et puis, bon, la salle était pleine quand même, mais on ne faisait pas de pub. Par contre, le lendemain, dans les journaux, on voyait Joe Cocker sous Phil Collins au 287 Café. Les gens, ils nous en voulaient. Ils disaient, pourquoi on n'a pas su? Voilà, l'histoire. Je crois que vous savez à peu près tout. Et du coup, là, les Desperados, ça reprend. Ça a été un petit peu mis au sommeil pendant quelques années. C'est reparti de plus belle parce que, à la mort de Johnny, d'ailleurs, c'est reparti de plus belle. Joe, il a dit, bon, allez, il faut relancer le club en hommage à Johnny, etc. Donc, l'année dernière, il y a eu Romilly, c'est-à-dire c'est le Biker Trophy 2022 qui se refait cette année à Romilly, Biker Trophy 2023. Et là, il va y avoir à peu près 15 000 personnes et il y a 20 concerts. C'est ça, Joe ? Ouais, 20 concerts. Voilà. Donc Jean-Noël, c'est le vice-président. D'accord. Et Joe, président. Alors pour vous, c'est beaucoup d'émotion, j'imagine. Ben, il va parler, mon petit. Vous n'allez pas. Non, il n'aime pas beaucoup. Vous n'allez pas parler. Il va parler. Il n'y a pas que nous qui aimons pas parler. On a une même question. Alors, ça vous fait quoi? Ça nous fait énormément plaisir. Déjà pour notre président, parce qu'il le mérite. C'est un grand homme qui a beaucoup œuvré pour Johnny Hallyday. Œuvrer pour le club, j'en parle même pas, c'est notre ADN, c'est notre guide, c'est notre presse, et on veut le garder très longtemps. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu garder à 100% son adjoint. Voilà. Donc, descendu en grade. Ils m'ont mis en retraite. Oui, nous avons un site Facebook avec plus de 40 000 personnes. C'est énorme, hein, surtout en ce moment. Nous avons un site aussi Instagram, nous sommes sur Twitter, nous sommes partout. Donc, sûrement le plus gros club de France de moto. Tout ça grâce à nos anciens. Ah, ah bah oui, hein. Des vieux. Et lui là, hein. Vous avez des belles vestes aussi. Hein. Très belles vestes. Hein. Il y a une histoire, comment vous l'avez dessinée? Oui, il y a une histoire. C'est Johnny Hallyday qui a décidé. Toujours avec Joe Rodriguez à ses côtés. Le bleu, c'est la couleur de Johnny Hallyday. Le jaune, c'est la couleur d'Adeline, sa femme de l'époque. Et Desperados, c'est Johnny Hallyday qui a décidé, parce qu'il avait déjà depuis 1985 une société de musique qui s'appelait Desperados Musique. Desperado Musique. Voilà. Et c'est comme ça que les Desperados sont nés. Ils sont nés aussi parce que Joe, en 1989, est descendu dans le Midi à Carpentras et a ouvert une boutique Harley Davidson qui s'appelait American Biker. Il a créé un club MC, qui s'appelait aussi American Biker. Et un jour, Johnny est venu chanter dans la région. Il a voulu vraiment voir qui c'était Joe Rodriguez et son fameux magasin, parce que dans les années 90, il n'y avait pas toutes ces concessions. Donc son magasin, c'était très important. Et là, il est tombé sous le charme de notre président. Et il est rentré comme member dans le club de Joe Rodriguez. 2 ans après, Johnny a dit à Joe, bon, je vais faire le nôtre. Et ils ont fait le leur en tant que président Johnny Hallyday et vice-président Joe Rodriguez. Voilà. Et c'est les couleurs de l'Ukraine et de Télépaël, en fait. Ouais. Pourquoi le bleu et le jaune, ça, vous savez, ou... Oui, parce que Johnny Hallyday, depuis tout petit, sa couleur, c'est le bleu. Et le jaune, c'était la couleur de sa femme à l'époque, qui s'appelait Adeline Blondio.
qui était membre aussi de votre... Qui était donc présidente des Oletti. Chez nous, nous avons plusieurs sortes de membres. La nouvelle présidente. Voilà, la nouvelle présidente. Ah, des Oletti. Vous pouvez venir, hein. Patrick, voilà, président de la RMC, moi je suis président. Attention sur les gars. Ah la vache, t'as vu, c'est un sacré truc. Ah ouais, c'est un sacré truc. Annie, il faut le vouloir. Et puis alors il appelle, tu fais la gueule. Bah oui, tout simple. C'est pas pour dire. Hein. C'est vrai. Et puis demain, il en arrive encore une dizaine. C'est pas la moto. Tu m'as même pas fait un bisou, toi. Mais non, je suis occupé. Ouais. Il est venu voir, il en avait une verte de 1930. Ça va, super. Ouais, super. Il avait une de 1930, il dit, je viens de me chercher au début. C'est le président du club. Il dit, je viens de me chercher, parce que le chemin, il est pourri. Et que le quartier avait du mal à Non, ça va, regarde, ça va, 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 ça va
besoin d'un silence absolu afin qu'ils puissent entendre nettement ce qu'ils vont dire. Merci. Ok. Donc je tenais à remercier tous les Desperados parce que c'était vraiment, vous êtes des gens très chaleureux. Je vous ai tous pris un par un. Et j'ai rien senti. Hein. Ah ouais, bah bien. Tu peux dire, mais tu es pas de problème. Et donc on va inaugurer la plaque que vous nous avez offerte. Et ici vous serez dorénavant chez vous. Voilà. C'est gratuit. À moitié prix. Donc vous aurez un pied à terre en Corse. Voilà. Et quand vous venez même seul, tout ça, vous venez nous voir et on s'occupera de vous, on vous trouvera tout ce que vous voulez. Les locations, etc. etc. Et les ressources. Ah, ah, une location dans le maquis. Voilà. Avec les chèvres. Voilà, donc, ou avec des boucs pour certains. Les redoux, où il faut aller, où aller manger, où aller dormir, qui s'en occupera de tout. Voilà. Et franchement, c'est avec le cœur. Je vous remercie, mais alors, vraiment de tout le monde. Parce que franchement, c'est les gens ont vraiment le temps. Pareil. Merci à toi. Allez, merci. Merci. Président. Président, on va enlever le drapeau. Tu récupères le sopalin pour lui donner après. Ça a été vraiment un très très grand plaisir. Le jour où j'ai connu Gilles, c'est un mec qui a beaucoup de cœur. Et on a accroché de valeurs. De valeurs, oui, c'est vrai. Tout à fait, c'est vrai. Des honneurs, avec la plage. Comme ça, tu pourras quitter celui que t'as sur le dos, parce Le blanc. Moi, il faut que je passe gaffe avec le blanc, parce que j'ai toujours les mains. Si là, tu le mettras au mur. Voilà, je vais le mettre au mur. Voilà. Je vais le mettre au mur en votre honneur. Voilà. Et la casquette, elle vient à sortir. Non, la casquette, je vais mettre. Elle vient à sortir. Mais ça, pour ce que t'as derrière, tu laisses faire motule. Ouais, non, mais des fois, on est en manque de papier. Elle est bonne, ça va. Jamais. Alors, vice-président va dire un petit mot. Il va dire bonjour, c'est joli. Déjà, je voudrais remercier Patrick, le tenancier de cet établissement très chaleureux, très sympathique à la vue aussi, parce que c'est un peu notre. Et à l'odeur. Les choses que l'on aime qu'il y a à l'intérieur. On m'a parlé de lui, c'est un grand amateur de moto, de motard. Et on m'a dit que c'était un peu comme le loup blanc en Corse. Celui qui ne connaît pas, ça veut dire qu'il vient de naître. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Donc on voudrait le remercier. Bravo. Et puis je voudrais remercier aussi les personnes qui ont beaucoup œuvré pour que vous soyez tous là. Je dis bien tout le monde. Je voudrais remercier Gilles. Gilles, pardon. Bravo. Pascal Dufour, le secrétaire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut prendre des photos de dos. Les deux qui ont travaillé, c'est deux secrétaires. Bravo à tous d'être venus à ce run qui n'est pas toujours facile de rouler dans cette région, mais qui est atypique, qui est très belle, donc je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui font la circulation sur la route. Bravo. 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 Bravo
tout particulièrement le road capitaine du week-end, Pascal Paul. On peut le remercier même doublement une deuxième fois parce que c'est le patron de la COP pour nous les Desperados. C'est Pascal qui est le responsable de la COP. Pascal le grand frère. Et notre représentant ici, c'est Pascal. Ouais, ben, un jour, j'essaierai de marcher une Harley, comme ça je pourrai rentrer. Mais là, je rentrerai quand même à Nigo. Ils font des petites, ils font des 8,83. Là, c'est trop long, j'arrive pas, je peux pas élever par terre. S'il vous plaît, je voudrais aussi une petite ovation. Ovation à Marie-Jo. Madame. Il a l'air subtil, la bâtisse. C'est vrai que je beaucoup grâce à ma femme et à mes amis. Et ma fille, voilà. Et c'est une future amigo, elle nous l'a dit tout à l'heure. Voilà, en plus. Alors maintenant, nous sommes très contents de faire partie de la famille du 66. Vous en faites partie. Alors maintenant, je ne sais pas si c'était prévu, mais je crois que Pierre, il voulait chanter une chanson. Normalement, Pierre nous avait promis une chanson. Alors moi, je voulais chanter une chanson, effectivement. Mais allez, vas-y. Et Gilles, tu vas nous chanter Desperado, c'est mieux. Il y a des moments pour pronostiquer. Desperados, desperados, a la vie, à la mort, nous sommes desperados, 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 sur nos machines d'enfer, nous sommes desperados. Il n'y a pas de souffleur, hein. Allez, les copines. Super. Les deux copines. La femme n'a pas été bénie. Elle n'a pas été bénie. Soleil rouge qui se lève sur les crônes du héritage. Et elle a été bénitée. Il pleut. Même dans ses rêves et Brando dans ses vagues. Quelque part dans la lumière toute, des souris et des hommes pour me montrer la route. Il y a tout ce qu'il faut dans ma tête. J'ai pas besoin du reste. Pour rouler vers l'ouest. Un hôtel dans le désert. Destination c'est nowhere. Del Paso au Grand Canyon. Juste un bol de chili vert. Du sable chaud dans mes bottes, la neige sur mes cheveux, les turquoises dans les yeux. Chiffelle plein dans ma tête, j'ai pas besoin du reste pour rouler vers l'ouest. À la fin, à l'isolée.
Claudie quand même, ah, oui. 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 Oui.
pourri là. Je me vois sous le salon. Allez au club. Voilà, on passe le club du club. Non, c'est pas. Ah, c'est pas en retard. Merci, merci. Le club est moins. Merci pour le, pour la boisson. Voilà, pas, écoute, on ne peut pas espérer une meilleure deuxième édition que de vous. Ah ouais, ouais. Super, mais écoute, c'est toi. Génial, c'est franchement. Et c'est nous qui vous remercions, je te dis, au nom du club, de votre accueil et puis tout ce que vous avez fait. C'est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Oui, vous avez les contacts. Ici, oui, on a les contacts à appeler. Je sais que c'est Gilles et Pascal à deux. Tiens, Patrice. Il le sait parce que tout est parti de chez lui. Tout est parti de chez lui. Un jour, l'année dernière. Je vais manger chez Patrick. Et puis, bon, on discute, on parle moto, machin, tout ça. Puis il dit, tu fais partie des Desperados. Alors, ce serait bien si tu parlais des Desperados l'année prochaine. Au revoir. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et on a mis 8 mois avec Pascal pour organiser. Et on est resté en contact avec Louis et Patrick pendant 8 mois sans arrêt, au téléphone, si, ça, machin. Voilà. Oui, c'est que ça marche, et ça a marché. Et ça a marché. Ah oui. Si vous voulez monter à Paris, si vous voulez monter à Paris. Ah, bonne séquence. C'est la saison. Mais n'importe quand vous venez sur le continent, nous on est là, vous nous appelez, on gère. N'importe quand vous venez sur le continent, vous nous appelez, on gère. Machine d'enfer, nous sommes des...